je suis rentré à l'usine et j'ai commencé là-bas à 14-15 ans. Tout le monde travaillait chez Schneider. Je faisais les trois postes, je travaillais le matin, l'après-midi et le soir. Puis dans l'atelier, on était 600. Aux turbines, on était 600. Là, au Creusot, il y avait un camp de Polonais, spécialement, que des ouvriers qui venaient de Pologne, d'Ukraine, d'un peu partout, sous contrat, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Moi, je vois à l'usine, c'était pourtant mécanique, mais tous les bons vieux, la retraite était à 65 ans, mais il n'y en a pas un qui arrivait. Hein. Et il donnait le travail le plus dégueulasse. Le plus dégueulasse aux ouvriers. L'usine, c'est un travail de bagne. En 1962, j'ai rencontré une âme sœur. Le 1er mai, tu sais, au juste. Le 1er mai. Elle me faisait des bisous sur la joue en dansant.
Au 1er janvier 1974, on s'est lancé dans le commerce de vin.